Previously on The Sonia Show. I'm coming for you. But tell the other brigades, I'm coming for them. For what they did to Lola. Sonia is in danger. Punches, the psycho is a taxi driver. My father is the minister of oil. I've even let my teen daughter embark on a road trip. Truth is, I'm never going back home again. Salut! Nouvel épisode de notre Let's Play sur Road 96, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce nouveau chapitre et pour probablement cette fin de notre troisième run. Attendez, troisième? Oui, c'est troisième. Hein. Troisième run, oui. Et là, bon, je me dis, le camion, c'est peut-être le camion de Monsieur Ursus, de Papa Ours. De John, ou Jack. Je crois que c'est John, mais je suis pas sûr. Et il nous faudrait cruellement de la vie en fait. Mama Bear. Bah, c'est John. Mama Bear. Bah, voyez, Papa Ours, finalement. Ça, voilà. Goddamn cop. Oh, just Papa Bear's luck. Mais du coup, ouais, en fait, il connaît Fanny. Parce que je me suis demandé du coup le rapport qu'il pouvait avoir, mais là il est en train d'en parler visiblement, donc on peut difficilement... Voilà. Hein. Mama Bear. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut Papa Ours? C'est quand même... Je savais pas. Je ne savais pas qu'il s'appelait lui-même Papa Ours. Je le jure. Mama Bear. Ça va? Hey. You're not my Mama Bear. Just some hitchhiking teen. No. I had a date with Mama Bear, but she's police. So I didn't show. I screwed up. Ah. And I got real drunk. D'accord, oui, je comprends mieux du coup. Ok, bah écoute. Bonne route. On se retrouve plus tard. Alors on se retrouve plus tard, je dis ça, mais en fait on se retrouve tout de suite parce qu'il n'y a rien, hein. Je pensais qu'il y aurait un truc derrière le rocher, mais... Ouais, voilà. Well, I'm bad man, young blood. You're looking at Petria's most wanted criminal. Ah, rien que ça. Ok, je savais que t'étais des brigades, mais quand même. Not even Papa Bear can move this rock. Papa Ours. Non mais Papa Ours, sinon tu peux escalader peut-être. Nope. Impossible. Aïe aïe aïe. Come over here. Ouais, j'arrive. Mais après je fais quoi? Je t'aide comment? Ah bah d'accord. Hey. You see those rocks ahead? Ah, c'était juste pour moi que tu... D'accord, ok. Merci. Goddamn peak collapse. Took Connie away from me. Connie was the love of my life. First love. But I don't want to talk about that. I want to race. Come on. Race you up the hill. Ok, si tu veux faire la course, ok. Hein. Jesus, de toute façon, tu vas finir par te croûter. J'espère. You'll never catch me. En tout cas, je cours. Hein. Je fais tout ce que je peux. Like the wind. Fast and effortlessly. J'ai l'impression que je le rattrape petit à petit. Hein. Oh, my knees. The pain is... Oh. Oh. You win. But only because I'm a tad out of shape.
Oui, sûrement. A soccer ball. Uh-oh. You've entered the danger zone. Non mais ça va pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vas-y, on va jouer à la baballe. Allez. In high school, my nickname was the Wall. So you know. Hein? Hell yeah! The Wall, baby! 4 kicks left now. J'ai pas tout compris là. Ok, c'est je vise l'angle. Ah, un peu trop à droite. D'accord, oui, bon. Oui, bah laisse-moi comprendre laisse-moi le temps de comprendre. Ah, ça devrait être pas trop mal. Ah non, mais. Hell yeah! The Wall, baby! We only got 2 kicks left. Better make them good. Non, c'est pas. En fait, je voulais essayer de viser au milieu. Hey! Lucky. That one went through where my fingers used to be. 1 kick left. Ouais, bah, je sais. I want to see your best, young blood. J'en ai mis un. Genre ça passe pas. Bon. Decent score. But if the wall was sober, you'd have a big fat zero. Eh ben écoute, hein. Jesus, ah B. Come on, let's sit over here. Well, it's dangerous, that's for sure. I see. Oh well, get to the border. Then pick a lock, get in one of the trucks at the gate. Then don't make a sound. That part's very important. Well, I sweated a lot out. Sometimes when I get drunk, I become the wall. I'm sorry you had to see that. Anyway, I feel better now. Yeah, it's just this whole thing with Mama Bear has brought up the past. And Connie. Well, Connie was the love of my life. But she died 10 years ago in the peak collapse. She was my everything, young blood. You should have seen her. Well, she was young and committed, like me. We were in the brigades together. And beautiful. Oh, I'll miss her for the rest of my days. Oh, she is. That voice, oof. And she's tough. Tougher than I'll ever be. But kind and funny, too. Well, maybe we are. But here's the kicker. She's popo, young cub. And I'm on the wrong side of the law. To make it work, things would have to change. I'd have to turn myself in. I'm a wanted man. Or she'd have to become a revolutionary. That it is, young blood. That it is. Shoot. I do. I really think I do. Yeah. Hey, you're pretty wise for a snot-nosed teen. You know that? Maybe you should do one of those dating advice radio shows. Sounds good, young blood. Now, if it's all right with you, I think I'm just gonna sit here a while and enjoy the view. T'as pas de la bouffe? Je vais mourir. Je vais mourir si j'ai pas de la bouffe là. J'ai plein d'argent, mais j'ai pas de bouffe. Je fais comment? Bon, ouais, en tout cas, tragique histoire hein, pour Papa Ours quand même. You be safe out there. Love comes your way, you grab it.
Understand me? You'll know. Believe me. Bon, mission trouver de la boue. Bien, les belles paroles. C'est beau. Tout ça. Oh, intéressant. Mais malheureusement... sur le chemin de la frontière, je perds au moins 2 fois de la vie, voire 3. Là, bah, j'ai que 2 PV, quoi. On va aller voir ce qu'il y a là. Hein. Et on va surveiller que si la barre de vie se met à clignoter, j'avance plus. Parce que j'ai pas envie de mourir juste sur le chemin, quoi. Et si je peux trouver de la boue ou un truc pour me soigner là, ce serait vraiment royal. Hein. Ouais, pas un truc avarié. 8 août 1991. Suspension des fouilles. Comme établi par la nouvelle directive, la mine sera fermée jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Oh, vraiment, je vais manger ça. Après, c'est un truc de en conserve. Franchement, j'en suis à un point, il me faut de la vie avant tout, donc je peux pas cracher là-dessus, malheureusement, en fait. J'aurais plus de PV, je l'aurais pas mangé, mais là, c'est compliqué. Parce que je suis vraiment pas sûr du nombre de PV que je vais réussir à avoir, là. Avant d'arriver à la frontière, je sais pas si j'arriverai à récupérer plus de PV, je sais pas si je pourrais passer là sans mourir en fait. Rien que ça, c'est un problème. Bon, si je fais du stop, ça va m'indiquer quoi niveau vie? Ça m'indique rien. Ça m'indique pas la vie que ça m'enlève. Parce que c'est au niveau du stop en fait, ça dépend de la personne qui me prend en stop, j'imagine. Longer la route, au moins on saura d'avance à quelle sauce on va être bouffé quoi. Là, il y a peut-être de la bouffe. Est-ce que là il y a de la bouffe? Est-ce que là il y a un truc? Non. Ah, on peut se reposer. Ah bah let's go. Let's go. Toujours ça de prix. Et du coup on est passé à la nuit. Ah donc il y a peut-être aussi une question de temporalité dans mon voyage. Je sais pas s'il y a un cycle jour-nuit aussi qui se met en place sans qu'on soit vraiment rendu compte. Je vois quand même envie de longer les murs parce que j'ai envie de voir s'il n'y a pas de la bouffe cachée. Hein. On sait jamais. Hein. Et là je tombe sur Jarod dans les fourrés. Alors que faire du stop? Vas-y. On va faire du stop. Parce que faire du stop, on a la chance potentiellement de pouvoir se reposer. Alors après, si c'est Jarod qui nous prend en taxi, c'est la merde. Hein. Mais de toute façon, il faudra qu'on y passe un moment ou un autre. Hein. Je dis c'est la merde, je le crains comme la peste, je le fuis comme la peste, hein, voilà, tout ça, mais... malheureusement, en plus, on a croisé tellement de monde sur cette route. Et il manque lui et Stan et Mitch, quoi. C'est la merde. Oh les bros. Merci les bros. Kid, up here. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? I've never seen that shade of green before. She's gonna get sick on the hogs. Ah. Ah ouais, c'est vrai que j'ai bouffé un truc avarié. En fait, je pense qu'ils aiment pas trop les compliments. Mitch, check the bag. Better still be there.
Je vais pas prendre l'argent. Ah ouais. Ah ouais. Oh, pas du tout. Je leur demande, on sait jamais. Oh les bros. On sait qu'on a pas assez d'argent quoi. Oui, ah bah en vrai oui, bien sûr. Bien sûr. Dans une autre vie. But here we are, hogging the conversation. Maybe you'd like to pose a topic of your own. Mitch and I never do that. Petri has been good to us, making us thieves and all. But I heard smugglers can help. Oh. Ah mais eux c'est des fans de Sonia. Qu'est-ce qu'ils pensent des brigades? Parce qu'ils sont pas, ils font pas partie des brigades. Je suis curieux. Oh, oh, un magazine de Sonia. Bon. Oh putain. Alors que l'encodage n'en peut plus. Quoi? Mais quoi? Vraiment? Merde, j'espère qu'ils en ont beaucoup, hein. J'ai bien fait de prendre des billets avant. Corruption de... Ah mais oui, on leur lance des billets à la gueule. Mais oui, bien sûr. Non mais c'est... ils les prennent les billets. Oui, pardon. Oui, j'étais un peu long à la détente là-dessus. Oui, oui. Oui, je sais, j'essaye de viser le pare-brise. Tiens. Bon, ils m'ont dit de la ralentir aussi, mais voilà quoi. Kid, for your quick thinking, we'll take you a little ways further, okay? Oh, merci. Well, Mitch and I are nice people. No, really nice. Bien sûr. Putain, deux de vie. Vous avez pas de la bouffe? vous avez pas de la, vous avez pas de la bouffe là? C'est la merde. Ok, ah mais on est plus proche que la dernière fois, j'ai l'impression. C'est qu'une impression. Non, je peux... Ah mais oui, il me semble qu'on est beaucoup plus proche que la dernière fois. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Hein. La dernière fois, ouais, on est arrivé de l'autre côté et tout. Donc là, ah oui, il faut juste que je fasse le tour par là. Ah bah c'est bien. Donc ça doit être peut-être parce que j'ai réussi à le faire une fois. Ça a dû débloquer ce truc-là. I guess. Mais par contre,
Je me rappelle plus si c'est avant ou après. On va commencer à prendre des bonnes habitudes, hein. Ouais. Le truc, c'est que là, je me rappelle plus, en fait. Vraiment. Je me rappelle plus du tout à quel moment je suis censé perdre de la vie. Ça, ça va me faire perdre un PV. Après, en fait, une fois que je suis arrivé, j'ai de quoi me récupérer de la vie. Donc, j'ai un peu espoir. Normalement, là-bas, ça pourra le faire. J'ai un plan. Ok. Allez. Normalement, j'ai un plan. Parce qu'en vrai, même là, on a large de quoi payer le passeur. Enfin, là, on va se mettre vraiment bien, normalement. Moi, ce qui me faisait peur, c'était d'arriver ici. Ok. Snakes and drinks? Can I help you at all? I wanted to cross, but I don't have enough money for a coyote. Maybe I'll just go home soon anyway. Oh, thanks. I can't thank you enough. Oh, good luck with everything. Normalement, j'ai assez. Merci, une bonne chance. Ouais, super. Some items to help you on your journey. D'accord. Merci. Comment je peux traverser? Kid, you gotta show more discretion. There are guards here who'd like nothing more than to arrest us. Can we trust you? Okay. There are rooms. Je crois que j'ai été exactement le même dialogue la fois d'avant. Hein. They're said to be off the path to my left. I hope you're not claustrophobic. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Ok. Parce que là on a. Ouais, on avait plusieurs choix au niveau des passages. Là normalement c'est bon du coup, j'ai tout. Ok. Après avec 153, normalement là je devrais être large. Par contre, on était déjà passé par là, mais en même temps. En fait, le truc c'est qu'on va pouvoir voir l'interaction complète. Ah, je peux passer, c'est bon. On arrête plus ce coup-ci. Il faudra qu'on voit qu'on étudie les autres possibilités, mais on le fera plus tard. Du coup. Salut, ça va? Quoi? Non, mais vas-y. Just a happy camper. I love all this fresh air. Merde. I took the offshore worker test. Needless to say, I failed. Lucky for me, they didn't put me up in a cell. And they're in the paperwork, maybe. Ah, du coup, je peux pas donner l'argent. Merde. Oops. Hey man, want some advice? What? Don't try crossing over the mountain. Oh. I saw a guy fall from the peak one time. He screamed all the way down. And it's a long way down. Just don't go up there, man. Oui, non mais je vais pas monter par là, oui. C'est sûr. I was just thinking about that right now. Don't tell anybody, but I've got a gov pass. News like that gets out. And teams will be swarming. Mais j'en ai un aussi. J'en ai un aussi. Et ça, je sais pas comment je l'utilise en fait. Donc pour l'instant, je suis prudent par rapport à ça. Quoi. Mais y a pas de passeur là. Hey, see that door back there? Some kids say it leads to an abandoned tunnel. It's rumored you can cross by using it, but maybe it's just a trap. Something Tyrak uses to lure teens to their death. If the shoe fits. Je suis dégoûté, j'avais l'argent. Je pourrais pirater.
Merde. Merde. Mais non. Je voulais... Non. Bon, bah ok, on peut passer par là. Oh merde. Et évidemment, c'est fini, là, je peux plus revenir en arrière. Bon. Je peux refermer ? Non, je peux pas refermer. Ok, je sais pas si mon argent va me servir du coup, c'est le problème. En fait, le truc c'est... Je me dis que pour que mon argent il serve, faut que je puisse corrompre des gens, quoi. Comme établi par la nouvelle directive, les vieux tunnels seront démolis et leur entrée condamnée. Ah, super, on a une lampe. On peut se... Ah non, c'est pas devenu un jeu d'horreur d'un coup, là. C'est bon, je suis... Non. Bon, bah, j'ai pas le choix, il faut... Ok. Je peux ouvrir ça. Ça, je peux pas le crocheter. Super. J'aime pas trop la musique, mais on va continuer d'avancer, hein. Si on voit des gens, on essaiera de les acheter, hein. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? I thought you were a guard. Bon, please, ça va. Don't shine that at me. My wife and I came down here to cross. These are our boys. She went off to look for a way out when we got stuck. Ah. At one point, we heard gunshots. She never came back. Ah. I don't know what we're gonna do, and our food is almost out. Ah bah j'ai pas. Ça, je suis désolé, là, j'ai pas. I hope you do. Ouais. Bah j'espère, hein, parce que... ce serait un peu con, quoi. Ah. Merde. Good luck to you. Oh, ça sent les brigades, quoi. Ça, du coup, c'est les brigades. Les brigades. On sait que Lola... Oh, à gauche ou à droite? Sérieusement? Ok. Bon, on va aller avancer, hein. Je peux pas reculer. Bon bah on va courir mais Allez s'il te plaît, 13 secondes, ça va. Ça passe, mais est-ce qu'on est vraiment passé? Z. Nothing is more important. But there are many others in Petra still looking for it. And their journeys have only just begun. On s'en est sorti. Bon bah finalement j'avais beaucoup trop d'argent, mais bon bah voilà. Voilà. Même d'ailleurs j'étais pas obligé du tout de manger le truc avarié. Enfin bon, voilà, j'ai stressé un peu trop pour rien sur la vie. Mais en même temps, on a découvert une nouvelle façon de s'en sortir aussi, ce qui est toujours sympa. On va démarrer, je pense, le... En fait, je pense que je vais juste mettre le début. Hein, le choix du nouveau personnage, etc. Mais je pense qu'on va pas jouer le tableau et que je le jouerai prochaine run. Je ferai la prochaine run. Voilà, je commencerai la prochaine run, le prochain épisode. Donc on est parti. Let's go. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show.
We don't often begin with a lighter story, but today we're doing just that. As we all know, criminals aren't always the brightest bulbs in the box. Well, earlier today, desperate to get away from police hot on their trail, two bumbling robbers threw the only thing they could at the police chasing them. That's right, the money they'd just stolen. Talk about throwing your money away. Unfortunately, the suspects evaded the police. We were sent some sketches of the criminals, but due to technical difficulties, are not able to share them with you tonight. Well, you may have heard the rumors that a teen fled our country using abandoned tunnels running under the wall. The story is false. I was told this by no other than our great leader himself. No tunnels like this exist, said Tyrak. He even joked that if they did, he'd use them to avoid the traffic jams at the border. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Nation, vote for Tyrak. Nothing less than our democracy is at stake. As you know, the Sonya Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonya Hotline. And that has been the Sonya Show. Zoé, on va pouvoir aller la sauver. Nice. Bon, bah nickel. Bah écoutez, va-t-on sauver Zoé? Va-t-on réussir à sauver Zoé? Réponse, évidemment, la prochaine fois. Je pense que là, pour le coup, ça aura pris une vidéo un peu plus courte. Mais écoutez, voilà, au moins... Au moins ça change. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.